Il y a un moment qui est particulièrement beau, plus que la neige, c'est le moment où la neige se retire. Et où les éléments qui étaient sous la neige réapparaissent de manière partielle et constituent une sorte de puzzle de mise en rapport de ces éléments. Puis toujours une construction en strates dans la partie supérieure minérale, partie centrale végétale et la partie basse, c'est l'eau, c'est la neige. Ouais, là c'est bien. Là tu travailles avec quoi alors? Un 3D wizard. C'est de la stéréoscopie, c'est-à-dire de la même photographie prise à 2 cm de décalage. Et donc ensuite, les trois vues sont réunies sur un tirage lenticulaire que je fais en Chine parce qu'il n'y a plus de labo en Europe. En fait, quand je fais un tour comme ça, je fais une péloche, je fais 24 vues au maximum. C'est mieux. Voilà. Et là, on est encore nettement plus petit que le tirage final. Ça, c'est un prototypage 3D où les trois images sont réunies sur une seule plaque. C'est ce qu'on appelle un tirage lenticulaire. Il y a des fines lignes verticales et qui superposent et reconstituent les trois vues qu'on a vues en contact. Je pense que cet endroit-là marche particulièrement bien avec l'avant et l'arrière-plan. Et l'effet est assez discret. Le flocon de neige, c'est la plus grande forme qui possède la ligne droite dans la nature, à l'échelle d'un flocon de neige, en fait. Et la nature des cristaux est totalement différente selon le taux d'humidité, la température. Ça génère des formes insensées. C'est absolument imprévisible, en fait. La difficulté, c'est le point d'abstraction. Que ça soit abstrait, mais pas tout à fait. L'effet est assez discret, raccroche. Pour l'instant, c'est une présélection, parce que c'est très, très hétérogène. Celle-ci, elle est cool. Là, c'est tôt le matin. Ça travaille sur deux niveaux, à la fois sur le scintillement et d'autre part, juste un ray de lumière qui permet de cerner la structure des cristaux. Ouais, celle-ci, c'est celle que j'appelle le lézard. La neige qui propose des formes intercalées entre végétal, minéral. Tout simplement, des formes émergent du rocher, détourées par la neige, et les neuroconnecteurs vont vous emmener d'un côté ou d'un autre.
Le déplacement, c'est tout sauf aller à un endroit. Donc, quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je reste, je me calme un moment. Je pratique ce que j'appelle la photographie mentale, c'est-à-dire regarder les choses, mais sans les photographier. 99 fois sur 100, ça n'a aucun intérêt. Il y a une fois où ça va dépasser ce que moi-même j'aurais pu concevoir, et c'est cette fois-là qui m'intéressera. Je me suis appuyé sur cette résidence pour approfondir, développer le travail sur la neige, la structure de la neige, les cristaux, de la forme autogénérée, la créativité du vivant. C'est ça l'enjeu en fait. Là, je me retrouve devant une sorte de livre vierge d'intention humaine. Donc c'est la circulation, ça tombe, ça fond, ça redevient froid, ça refond, avec des vitesses ultra différentes. Là, les cristaux contiennent des sortes de figures qu'on peut rapprocher de la peinture, de la sculpture. Mais la condition pour les faire, c'est juste de ralentir. Ben, on s'oublie un petit peu pour tenter de faire partager l'expérience que j'ai quand je les trouve en forêt.